Hello tout le monde, everybody, comment allez-vous bien? Moi je vais bien. Je voudrais vous dire d'abord merci, merci, merci pour votre confiance, pour vos petits mots, pour vos commentaires, pour être de plus en plus nombreux. On a dépassé les 3500 abonnés, je n'en reviens pas. Merci, merci pour tout. Sans vous, on n'en serait pas là, ça c'est clair et net. Je vous remercie vraiment du fond du cœur. Je viens vers vous aujourd'hui avec encore une idée cadeau ou une idée rangement. Hein. Vous savez, c'est comme la précédente, ça va de pair. J'ai ici acquis un jour une jolie boîte. Et j'étais remplie de bonnes intentions puisque l'idée pour cette boîte était d'y classer mes cartes, les cartes que je faisais en avance. Quoique j'ai pas tellement d'avance, mais bon, on va dire ça comme ça. Des cartes que j'avais réalisées, que j'avais pas envoyées, et je voulais les trier avec anniversaire, joyeux Noël, bonne année, patati, patata. Et puis finalement, voilà, le temps faisant son œuvre, elles sont toujours dans la boîte en vrac. Et par contre, j'ai eu un ras-le-bol, mais alors un ras-le-bol de mes die-cuts. Alors pour celles qui arrivent, et je vais faire des efforts pour les personnes qui arrivent ici dans le scrapbooking et qui connaissent pas tous les mots un peu savants qu'on utilise. Des die-cuts, c'est quoi? Ce sont des petits morceaux de carton, comme ça, que l'on achète, déjà découpés, ou que l'on découpe soi-même avec une perforatrice, ou avec une machine avec des petites pièces en métal qui nous permettent de découper le papier. C'est la Big Shot en général, ou la Cuttlebug, ou aussi des découpes que vous faites avec votre machine électronique de découpe. Alors, comment je faisais moi? J'ai essayé, mais un tas de systèmes. J'ai essayé des pochettes Velcro. Je crois que j'en ai une près de moi. Oui, voilà. Ceci. Voyez? J'ai essayé ça. J'ai essayé ça. Vous voyez, les petites boîtes comme ça. Bon, il y a un couvercle normalement, hein. J'ai essayé aussi les petites boîtes de perles, etc. J'ai tout essayé. Et j'étais jamais contente. Pourquoi? Parce que je suis un petit peu brusque parfois. Et quand vous avez une boîte comme ça avec tout plein de casiers et des petits cœurs de toutes les couleurs et que vous la renversez par terre, bien entendu, parmi les poils de chien et autres confettis, non merci. Voilà. J'avais aussi pris, vous voyez, les pochettes comme on fait les pocket letters là. Donc comme une intercalaire de classeur avec toutes des pochettes. Il suffit de mettre le classeur à l'envers et tout est par terre. Donc je devenais un peu zinzin avec mes die cuts. Et quand je suis partie en Bretagne, en vacances cette année, j'avais mis tous mes die cuts nautiques vacances dans une pochette puisque j'avais pris de quoi scraper avec moi. Et qu'est-ce qui se passait quand je scrapais? Ben, j'étalais tous mes die cuts sur la table et je ne voyais pas la moitié de ce que j'avais. Je ne sais pas si c'est comme ça pour vous. Donc je me suis dit, il faut que je trouve un système de rangement. Alors j'ai navigué sur Pinterest, sur Google, un peu partout, et j'ai trouvé un système. Alors je ne dis pas que c'est le bon, mais je pense qu'il va me convenir. Alors pour le moment, la boîte n'est pas très remplie, mais voilà. Alors je l'ouvre telle qu'elle est. Alors ce qui est bien, c'est que normalement c'est une boîte, il faut défaire le nœud pour l'ouvrir. Mais moi je l'ouvre à l'envers, et comme ça mon couvercle reste là, et j'ai fait des petits dossiers que voici, que voilà. Ils sont un peu cul par-dessus tête. Alors, ouais, la fille qui veut montrer qu'elle a trouvé un truc génial. Ouais, bon. Il y a un dossier que j'ai mal mis. J'avais bien le remettre. Voilà. Elle n'est pas encore remplie. Pourquoi? Parce que j'ai pas eu le temps. Honnêtement, j'ai pas eu le temps parce que je vous assure que j'ai vraiment de quoi la remplir. Alors, je vous montre un des dossiers. Voilà. Et regardez ce que j'ai fait. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des morceaux de. Attendez, je vais mettre par là-dessus, comme ça vous voyez. De transparent, donc du rhoïte, si on peut appeler ça comme ça. Moi, j'ai récupéré. Attendez, j'ai pris la boîte pour vous la montrer. Voilà. Des vieux transparents, vous voyez, comme on utilisait pour faire des présentations. Sûrement que dans votre société ou la société de votre mari ou d'un copain ou d'une copine, il reste des boîtes comme ça dans les armoires. Allez les piquer. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai collé tous mes die cuts. Je les ai tous collés. Voilà, regardez. Rien que pour vacances et nautiques, j'en ai une tripotée, hein. Et voilà, et je les mets. Alors j'ai créé ces fichiers et je vais vous montrer tout de suite dans la deuxième partie de la vidéo comment créer ces folders, comme on peut appeler ça. Hein? Donc il y en a trois. Regardez. Je vais vous les mettre dans l'ordre. Hein.
Voilà, comme ça. Regardez. 1, 2, 3. Je suis désolée pour l'éclairage, mais bon, je ne suis pas encore au point de ce côté-là. Et voilà. Et alors, mes petits cœurs, puisque celles qui me suivent depuis longtemps commencent à me connaître maintenant. Mes petits cœurs, j'en avais parlé dans l'autre vidéo, voilà. Je les ai tous collés. Il y en a qui se décollent déjà, youpi. Bref. Je les ai tous collés comme ça. Et je crois qu'à chaque fois que je vais en découper avec ma Big Shot, je ferai ça. Je prendrai le temps de le faire parce que j'en ai ras-le-bol que ça tombe à chaque fois que je veux les utiliser. Alors, je vous montre. Hein. J'ai découpé, j'ai mis dans un des folders qui est ici tout au bout. J'ai découpé par avance tous les morceaux transparents. Voilà. Ok. Pour celles qui ne savent pas, je vais refermer le couvercle. Pour celles qui ne savent pas ce que c'est un glue dot, c'est ceci. Alors ceci, il se présente à la pièce. C'est pas très pratique. Mais vous en avez certains où c'est un gros ruban. Et à l'arrière du ruban, il y a à chaque fois un point de colle. Donc, on ne le voit pas. C'est des petits points de colle transparents. Si on le voit un petit peu, je crois. Et alors, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais ouvrir le paquet ici. Voilà. Je prends mes die cuts un par un. Hop. Voilà. Et je les colle sur mon transparent. Et ainsi, quand je les aurai tous collés, j'aurai une vision bien plus nette de ce que j'ai dans mes paquets. Parce que vous êtes sûrement une partie d'entre vous comme moi. Quand on travaille avec ça, on les étale sur la table. Touc, 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 touc. Et puis on fait rouf, 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 rouf. Et on les remet dans le paquet. Et en faisant rouf, 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 on en chiffonne une bonne partie. Et puis, on ne sait jamais vraiment ce qu'on a. On ne fait jamais vraiment le tour. Oui, alors, bon, vous me direz, oui, mais à l'arrière, il est marqué ce qu'il y a. Et good luck, hein, les amis. Good luck de vous y retrouver là-dedans. Alors, moi, j'ai préféré faire comme ça. Avoir solution à tester et à utiliser. Concrètement, comment ai-je fait? Parce qu'on n'a pas tous la même boîte. Moi, c'est une boîte que j'ai achetée chez Action, mais vous pouvez très bien utiliser une ancienne boîte à chaussures que vous allez décorer à votre goût. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai pris ma latte, ma règle, pardon, comme on dit en France. Voilà. Et j'ai mesuré. J'ai mesuré la largeur que devaient avoir mes folders. Et vous allez voir, c'est souvent des mesures standards quand ce sont des boîtes que vous achetez toutes faites. Ici, c'est 21. Oh, tiens, justement, 21 cm. C'est la taille d'une feuille A4 dans sa largeur. Et la hauteur, voilà. Avec le demi-centimètre qui manque ici au début, je vois que c'est à peu près 12. Donc, j'ai fait un fichier un peu plus petit que 12, puisqu'il y a mon petit onglet. Hein. Alors, pour celles qui arrivent, il y en a qui appellent ça un tab. Un tab, c'est un onglet en fait. Mon petit onglet fait à peu près 1 cm de hauteur. Donc, j'ai fait un dossier qui fait 11 cm de hauteur sur 21 de largeur. Et donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer à la deuxième partie de ce tuto, on va dire. C'est comment faire ça avec votre silhouette, comment créer votre mini dossier. Et vous entendrez parfois le mot file folder. C'est ceci, un file folder, c'est un mini dossier avec un onglet comme ceci. Et donc voilà, on arrive à la deuxième partie. À tout de suite. Voilà, nous sommes dans notre logiciel Silhouette et vous allez aller sur votre fenêtre de quadrillage qui est celle-ci, avec les petits carrés, c'est facile. Hein. Et là, on va mettre un espacement de 10 et division 1 pour le moment. On va changer après, mais pour le moment 1. Et vous mettez afficher le quadrillage et aligner sur le quadrillage. Donc j'ai pris ma mesure, mon intercalaire doit faire maximum 12 cm de haut. Et 21 de large. Donc je vais tracer un rectangle, parce que je ne dois pas oublier mon petit onglet. Hein. Donc je vais tracer un rectangle qui fait 21 de large, voilà, et 22, voilà, de haut. Comme ça, je fais une division ici à 11. Et pour faire cette division, on va zoomer un petit coup. Voilà, je vais aller sur mon outil ligne. Et je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et je trace une petite ligne ici.
Ouais, pas un centimètre, hein. Ah oui, mais attendez, on va enlever l'alignement. Excusez-moi. Maintenant, je dois recompter. C'est pas grave, faire et défaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, je la fais à peu près de 5 mm. À peu près, hein. Voilà. Je clique dessus, je vais sur ma touche commande ou contrôle, ça dépend si vous avez un Mac ou un PC. Je la maintiens enfoncée, je vais sur ma touche de droite, comme ça je la reproduis. Et puis grâce à ma flèche, maintenant je lâche ma touche commande contrôle et je la fais avancer. Voilà. En poussant sur la touche majuscule, ça va plus vite. Je la fais avancer jusqu'au côté opposé, comme ça je suis sûre que je suis à la bonne hauteur. Voilà. Ok. Je vais rétrécir ma fenêtre. Tout sélectionner. Je vais dans Objet, Créer tracé composite. Comme ça ne fait qu'une seule forme. Je peux la bouger. Mes petites languettes, mes petits repères ne bougeront pas. Ok. On met un peu sur le côté. Et maintenant, on va faire notre onglet. Alors, pour ce faire, on va faire plus de divisions ici. On va en faire 4. Voilà. Vous allez zoomer. Donc, vous allez sur la touche Z pour faire apparaître la loupe. Et on va zoomer, voir un peu plus grand. On va sur le rectangle au coin arrondi. Et on trace un rectangle au coin arrondi de 6 cm. Pourquoi 6? Ouais, non. On va dire que c'est bon, hein. Quand je vois mon quadrillage, on va dire que c'est bon. Pourquoi 6? Parce que, comme on a 21, j'espère que vous allez me suivre, on a 21 cm de large, divisé par 3, puisque je vais faire 3 onglets, ça fait 7 cm, mais ils sont étroits en haut et un peu plus larges en bas. Donc je prévois quand même, je prévois du jeu. Ici, je vais faire aligner sur le quadrillage et je vais le recommencer. Voilà, ce sera plus simple pour vous. Ok. Voilà. 6. La hauteur n'a pas beaucoup d'importance. Vous allez, donc vous avez votre objet sélectionné parce que vous voyez vos deux petits coins ici. Si vous voulez augmenter ou rendre la courbe plus fine, plus serrée, ou... voilà, vous allez sur la touche majuscule. Vous cliquez sur un des deux points et vous pouvez rapprocher si vous préférez. Vous voyez? Moi, je l'aime bien comme ça. Voilà. Maintenant, je vais sur Objet et je vais sur Scinder tracé composite. C'est très important. Vous double-cliquez ici et les petits points apparaissent. Alors, regardez ce qu'on va faire. On va prendre ce point-ci et on va le tirer. Voilà. D'un demi centimètre. Ce point-là, pareil. D'un demi centimètre. On se moque un peu que le bas ne soit pas très beau. Ça n'a pas d'importance. Voilà. Et ici, si vous voulez, vous devez alors désactiver la grille. Donc vous enlevez aligner sur le quadrillage. Et en zoomant, si vous n'aimez pas cette petite chose ici, vous double-cliquez sur le point. Voilà. Et vous pouvez jouer comme ça pour rendre ça plus joli si vous aimez. Voilà. La même chose de l'autre côté, mais ça c'est vraiment bon. Allez, c'est vraiment un peu du luxe, hein. C'est pas obligé. Excusez le bruit dehors, je vis en ville donc. Voilà, ça c'est plus joli. Je reviens à une fenêtre normale et là je vais prendre mon fichier, on va l'appeler comme ça. Je vais aller mettre, et là, je vais remettre mon alignement. Voilà. Mais je ne vais plus mettre que deux divisions, je n'ai pas besoin d'autant. Je vais aligner mon onglet ici. Regardez, voilà. Alors, il ne faut pas qu'il dépasse de trop, hein, sinon il va être trop haut pour ma boîte, hein, souvenez-vous. Voilà, je pense que je peux me mettre comme ça. Oui, vous voyez, je suis à 7 cm. Hein. Alors, ce que je vais faire maintenant... Alors regardez bien parce que c'est du sport. On va cliquer, on va maintenir la touche majuscule enfoncée et on clique sur le grand rectangle. Et là, on va faire une copie des deux en faisant CTRL ou CMD C. Vous pouvez faire aussi un clic droit copier. Et puis CTRL, CMD et F.
F, ça veut dire que c'est venu recopier le même dessin, mais juste par-dessus celui-ci. OK? Bien. Alors maintenant, je vais prendre mon onglet que je viens de mettre par-dessus, donc, et je le déplace vers la droite avec ma flèche. OK? Voilà. Je garde cet onglet. Je pousse sur ma touche majuscule enfoncée. Je clique ici. Contrôle ou commande la touche F pour copier devant. On y est? OK? Je prends celui-là que je viens de copier. Non, à mon avis, c'est celui-là qui est venu se copier devant. On va voir. C'est celui-là qui est venu se copier devant, mais peu importe. Voilà. Et maintenant, j'ai superposé l'une sur l'autre. Oh là, qu'est-ce que je fais moi? J'ai superposé l'une sur l'autre mes trois fiches. Mes trois fichiers, si on peut dire. Et donc, je vais répartir un petit peu ici mes. Oh là! Là! Je vais désactiver mon quadrillage, zoomer. Oh là, oh, ça a zoomé fort. Pour le coup, alors je clique sur le premier, sur le second, sur le troisième, je vais sur la fenêtre d'alignement et là, tout en bas, d'alignement, je me trompe. Et là, je mets espace horizontal et voilà. Et je suis sûre ainsi, regardez, je vais revenir ici, que mes onglets sont bien alignés. Maintenant, je trouve qu'ils sont trop à gauche. Donc, je clique sur celui-là et sur celui-là. Et je les déplace pour que ce fasse tout joli. Voilà. Et maintenant, vous allez voir, c'est là que la magie opère. On clique sur le premier onglet, on tient la touche majuscule enfoncée et on clique ici sur le premier cadre, puisqu'ils sont tous les trois l'un sur l'autre. On fait un clic droit, souder. Et j'ai mon premier dossier qui est fait. On clique sur le second, majuscule enfoncée. On clique sur le second cadre empilé. Clic droit, souder. Et j'ai ma deuxième intercalaire qui est prête. Deuxième dossier. Et enfin, ceci. Clic droit, souder. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Il suffit maintenant de les découper, d'en découper autant que vous voulez. Alors, la petite astuce, c'est que moi, j'ai préféré ne pas écrire ce qu'il y avait dans mes dossiers parce que je ne sais pas encore exactement comment je vais les organiser. Quand je mets de l'ordre, c'est souvent comme ça. Ce que je vais faire, moi, c'est écrire avec un crayon papier. Une fois que mes dossiers sont découpés, écrire avec un crayon papier, crayon gris, je sais pas comment vous appelez ça. Sur l'intercalaire, ce que je pense y mettre, trier et puis éventuellement changer. Je ne sais pas si vous êtes comme moi quand je fais du rangement, mais c'est souvent comme ça. J'ai une première idée et puis alors c'est seulement après que ça se dessine bien dans ma tête comment je vais organiser. Donc je ne prends pas le risque d'étiqueter d'abord et de mettre dedans ensuite, sinon on est coincé. Donc voilà mon astuce pour créer des dossiers. C'est la même chose si vous voulez faire une intercalaire de mini-album. Il vous suffit juste de ne pas mettre vos languettes ici qui vont vous permettre de plier correctement. Et vous pouvez les faire à la taille que vous souhaitez. Un peu de calcul nécessaire, mais pas grand-grand-chose. Retenez aujourd'hui, copier une forme et puis faire commande F ou contrôle F, ça vous permet de la coller juste devant, la superposer, superposer une copie. Voilà, on a fini pour silhouette et maintenant on va voir ce que ça donne en vrai. Nous y sommes. Je voulais vous montrer que j'ai utilisé, moi, des anciennes feuilles de scrap qui datent de mes débuts du scrap. Ce sont des feuilles un peu beige, blanc cassé, je ne sais pas comment appeler ça. Et je les ai depuis, je n'ose pas dire combien de temps, et je m'apprêtais à, je savais pas quoi en faire. Et finalement, je me suis dit, eh bien, voilà une bonne récupération de ces feuilles. Alors, j'en ai encore un paquet. J'en ai aussi de chez Asda, j'en ai d'un peu partout. Et donc, c'est ici vraiment de la récup de chez récup. Je n'ai rien acheté pour faire ça.
Donc je suis toute contente. Mais ceci dit, je vous mettrai sur le site de la fourmi créative, vous aurez des propositions de cartons qui conviennent, enfin de cardstock qui conviennent pour ce genre de choses. Parce qu'il faut quand même prendre quelque chose de relativement épais, mais qui se découpe à la silhouette, bien entendu. Ça, c'était ma première petite remarque. Et la deuxième, la voici. Donc j'ai fini de tout mettre sur du rhoïde. Et j'en ai, je vais vous dire, une, deux, trois, quatre, 5, 6, 7, 8, 9. Quand même, hein? 9. Alors, j'ai mis dans le folder aussi le petit récapitulatif qu'il y avait à l'arrière du paquet. Je me dis pourquoi pas, hein, tant qu'on y est. Et mon folder, quand il est découpé, il est comme ça. Il y a mes deux petites encoches ici qui me permettent vraiment de savoir comment plier. Et pour plier, je passe d'abord comme ça avec mon doigt, puis avec mon ongle, malgré que j'en ai pas beaucoup, et avec mon outil magique. Et ça, j'en ai déjà parlé dans les ateliers du Père Noël, je crois. Mais ça, c'est vraiment génial. Alors, c'est un rouleau qu'on utilise normalement pour ancrer. C'est un truc que j'ai depuis des lustres, mais que je sais qu'on vend sur la fourmi, je crois bien. Et ce qui est bien, c'est que ça permet vraiment de bien aplatir votre pli sans laisser la marque. À quoi je l'utilise aussi? Quand j'applique ma feuille, mon cardstock sur ma feuille de transport silhouette, je le passe partout, en insistant bien partout. Et ça, c'est vraiment un plus parce que ça permet vraiment à votre feuille de coller uniformément sur votre tapis de transport. Donc, je vous disais tout à l'heure dans la vidéo de montage que je n'écrivais pas tant que je ne savais pas, mais ici, c'est clair que Noël, de toute manière, d'abord, je ne vais pas avoir qu'un dossier Noël, je vais en avoir plusieurs, mais là, je suis sûre et certaine que Noël, ben, ça servira toujours. Donc là, j'ai pu écrire Noël sans problème. Alors, moi, je fais des fichiers comme ça, tout simple, parce que je n'aime pas trop tout ce qui est customisé, etc. Je suis pas... Voilà, on a chacun nos goûts, mais je vous connais et je sais que vous allez... Décorer ça, faire des merveilles. Je compte sur vous, je suis sûre que vous ferez ça très bien. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez les poser en commentaire ici en dessous. Et si vous aimez bien, ben, faites-le savoir aussi, comme ça, on fera encore des vidéos dans ce goulage. Je vous dis à tout bientôt.